Allez-y, allez-y, mes braves petites abeilles, continuez à fournir ce miel. Je sens que j'aurai bientôt ma douce revanche sur ces monstrueux labos bleus. Les schtroumpfs encore, mais je croyais qu'on avait définitivement abandonné l'idée de les attaquer. Mais non, il ne faut pas se mettre une idée pareille en tête. Pauvre demeurer, ces petits attrapes schtroumpfs vont capturer ces monstres comme s'ils étaient des mouches. Fais-moi confiance. Ah oui, oui, effectivement, comme des mouches, hein. Tiens, tiens, j'ai l'impression que ces braves gens sont bons pour un petit tour à ma façon. Ils ne restent non pas plantés là, tu as dépêche-toi, tire. Ah bah oui, c'est ce que... Bah oui, mais je tire, je tire. C'est l'heure des tours pendables. Et tire! Fais quelque chose, nom de nom! Tire! Voyons, Gargamel, c'est vous qui êtes un tyran! Et à propos de tirer, ajustons notre tir! Continue de tirer, scrupule! Arrête, j'arrête pas! C'est une blague qui ne manque pas de piquant. Voilà, je trouve que nature, cette idée d'un sarrel empaillé est vraiment schtroumpf. Ah oui, vraiment. Ça oui, alors, c'est un fameux exercice pour Poupie. Mais dites-donc, les schtroumpfs, vous me laissez conduire. Bien sûr, ça c'est, y a pas de problème. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Oh, grand souffle, les grands schtroumpfs. Elle a du chien, cette petite. Oh non, attention, accrochez-vous. Attention, voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, enfin? Vous trouvez peut-être que c'était une plaisanterie vaseuse. Moi, je la trouve très bonne. Non, mais qui es-tu, toi, alors? Moi, je m'appelle Riflette et j'adore jouer des tours pendables. Tenez, je vais vous faire un tour. Alors là, chapeau. Et où est-il parti? Oh bah tiens, voilà. Alors, ça vous fait pas rire? Ça vous plaît pas, mes tours pendables? Vous n'avez pas envie de vous amuser, vraiment? Mais toi, t'as une drôle d'idée de ce qui peut être drôle. D'accord. Excusez-moi, est-ce que tu accepterais quelques fleurs pour me faire pardonner? Tiens, prends-les. Hein? Ouh! Un chanson. Pour toi. Crayon d'un sorbier des oiseaux. Ça, c'est un tout drôlement schtroumpf. Mais on ne m'appelle pas Riflette, l'esprit follet pour rien, tu sais. Le schtroumpf costaud, il va être schtroumpfement impressionné par ta magie. 51, 132. Oh, la magie, la magie. Moi, j'aime mieux en rire un bon coup. Regardez ça. Hop. Hop. Oh. 134, 135. C'est drôle comme tour pendable, non? Allez, on y va. Moi, je trouve pas ça drôle. Je préférerais aider le schtroumpf costaud. Hé, hey, bébé schtroumpf, attention! Oh là! Ouf! Ça, c'est un tour pendable qui a failli vraiment mal tourner. Cet esprit follet ne crée que des problèmes dans ce village. Créneau d'un navet sauvage, où est donc passé notre ami Riflette? Psst, par ici! J'ai une solution merveilleuse pour vous remonter le moral. Ah, c'est... Yeah. Pas mal du tout, non? Après ça, je crois qu'il pourra dire qu'il a inventé la trompette bouchée. Oh, mes nouvelles fleurs schtroumpfantes sont absolument merveilleuses dans ce nouveau vase. Oh, mes merveilleuses petites fleurs! Oh non!
temps, c'est encore un tour de cet esprit follet. Grand Schtroumpf! Grand Schtroumpf! Quelqu'un a cassé mon nouveau vase! Allons, allons, Schtroumpfette! Je fais justement de la colle pour réparer les couvertures de mes vieux livres. Je suis prêt à parier que ça va marcher parfaitement avec votre vase. Essayons tout de suite! Hé! Hey, je parie que ce Schtroumpf barbu va trouver ça absolument éclatant! Oh, je crois qu'il vaut mieux essayer le coup de la disparition. Voilà la leçon, monsieur. Allons, allons, Schtroumpfette, ne vous inquiétez pas, votre vase va être complètement schtroumpfée en un rien de temps. Quand j'aurai terminé de mélanger les derniers ingrédients, on aura de la colle la plus schtroumpfante qui soit. Oh, la barbe, j'ai dû schtroumpfer un mauvais ingrédient dans ma formule magique. Oh, grand Schtroumpf, ça n'est pas votre faute, vous savez. C'est la nôtre? Non, non, c'est la sienne, voilà. Créneau d'un Schtroumpf, un esprit follet. Comment est-il entré dans le village? C'est nous qui l'avons amené. Ils peuvent faire toutes sortes de tours schtroumpfants, grand Schtroumpf. Et on voulait le présenter à tous les Schtroumpfs du village. Il faut d'abord que vous sachiez différentes choses sur les esprits follets. Leur plaisanterie représente un danger constant dans la forêt. Un danger? Pas du tout, on veut juste simplement s'amuser. Et cet endroit d'ailleurs n'est plus drôle du tout. Mais... Quand les pieds de ces petits schtroumpfs feront marcher sur ces objets collants, je verrai la vie en bleu. Mais c'est encore ce maudit sorcier. Bon sang, ce que j'aimerais lui jouer une bonne blague à celui-là. Mais c'est bien plus drôle quand il y a quelqu'un pour regarder. Et je sais où aller en chercher. Coucou, Schtroumpf nature. Oh, Riflette, c'est encore toi? C'est pas une belle nuit pour jouer une bonne farce, ça? Oui, mais le grand Schtroumpf, il a dit qu'il voulait plus qu'on joue avec toi, voilà. On en a assez de tes blagues à la Schtroumpf. Elles rendent tout le monde très malheureux. Oh, allô, allô, tout ça parce qu'il y a eu un petit incident dans le laboratoire du grand Schtroumpf. Écoutez, il y a un vieux sorcier minable à qui j'aimerais bien jouer un tour pendable. Vous le connaissez sûrement parce que lui, il vous connaît. C'est peut-être Gargamel? Oui, oui, c'est lui. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ah bah, Schtroumpf, moi, je marche. Ah, moi aussi, je marche. Moi aussi, je marche. Moi, je vais faire comme si j'avais absolument rien entendu, mais c'est une grosse erreur de se promener avec cet esprit follet. Attention, préparez-vous, il arrive. Nous, en tout cas, eh ben, on est prêts. Schtroumpf, allez, Schtroumpf. Ça me paraît l'endroit idéal pour planter mon... Alors là, ça va être une bien bonne. Oui, mais peut-être qu'on aurait dû préparer quelque chose pour Azrael aussi. Ce chat est beaucoup trop lent pour espérer me rattraper. Mes pauvres petits amis bleus, ils sont coincés. Maintenant, je me charge de la suite, Azrael. Laissez-nous tranquille, Gargamel. Ainsi, on m'a préparé une belle petite farce. Et bien, maintenant, c'est moi qui vais vous farcir. Dites, Gargamel, vous n'allez quand même pas nous faire quelque chose de mal, dites donc. Oh non, au contraire de très bien. Je vais vous faire frire ou bouillir, on verra. Oh non, non, c'est pas comme ça que je voulais terminer ma bonne blague. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et où ils sont, mes copains? Mais ils ont été capturés par ce vieux sorcier, viens vite. Et maintenant, on va attendrir un peu ces petits vermisseaux bleus grâce à ma marinade spéciale pour Schtroumpf. Espèce de vieux sorcier demeuré, je parie que tu peux pas m'attraper. Gargamel, est-ce que vous voyez ce que je vois? Vous avez vu? Attention, c'est l'esprit follet, il est malin, Israël, va l'attraper. Voilà l'occasion ou jamais. Ça y est, je le tiens. Mais tiens, rien du tout. Il est dans ce scrupule. Non, je suis là. Tu n'as pas le nez creux. Cette fois, je vais t'avoir. Alors, laissez-moi me récupérer moi-même, Gargamel. Créneau d'un pied d'alouette, tu es venu pour nous sauver? Alors ça, il n'en est pas question. Hé, par ici, les amis, vite, dépêchez-vous.
Je te tiens, tu n'as pas été facile à capturer et je crois que tu seras moins coriace quand tu auras cuit avec mes schtroumpfs. Tiens, ils sont partis. On peut pas abandonner Riffel comme ça, même si c'est lui qui nous a créé tous ces problèmes. Il nous a sauvé la vie quand même, hein. Schtroumpf, alors oui, ça oui, c'est vrai. Hé, hey, Gargamel, nous sommes là, nous sommes là. Cette fois, je vous tiens. C'est le moment de glisser, nous aussi. Pour une fois, une de mes blagues se termine bien. Vous auriez pu vous sauver tranquillement, mais vous êtes venu à mon secours. Entre amis, il faut toujours se schtroumpfer. J'ai toujours rêvé d'avoir des amis avec qui je pourrais jouer, mais moi, finalement, je ne sais jouer que des tours pendables. Tu devrais avoir compris qu'il y a des moyens plus schtroumpfants d'impressionner les autres. Oui, c'est vrai. Et je vais d'ailleurs commencer tout de suite. C'est très schtroumpfant. Oui, et pour toi, schtroumpf à lunettes, une plume d'oie qui n'a pas besoin d'encre. Pas mal, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression qu'elle est toute sèche. Non, ne t'inquiète pas, cette encre va disparaître. Elle sera invisible dans un instant. Je crois, mon cher esprit follet, qu'il est temps pour toi de lever l'encre.